السلام على أشرف المرسلين سيد مدير مركز الاستشفاء الجامعي سيد مدير معهد الوطني للتعليم شبه طبي سيد مدير معهد العالي للشبه الطبي السادة مدراء المؤسسات الاستشفائية السادة المفتشين السادة الأساتذة المعهد العالي للشبه الطبي الحضور الكريم السلام عليكم. أشكركم على تلبية هذا الدعوة لحضور هذا اليوم اللي سيتم فيه التنصيب السيد المدير المعهد الوطني العالي للشبه الطبي لذاتنا السيد بوشمال. وقبل أن يتم التنصيب السيد بوشمال أتوجه بالشكر الجزيل إلى المدير السابق المدير السابق تاع المدير الانستيتيوت ناسيونال لا فورماسيون بروفيسيونيل على كل المجهودات التي قدمها الى هذه الولايه خاصه وكل الولايات المجاوره ثم تعرفوا جميعا الى حتى بعض الولايات التي توصل هنا في بلادنا وهذا بتضافر جهود الجميع لان يعني حاجه يعني لا يمكن ان يقوم يعني مدير مؤسسه او مدير معهد وحده بهذه الانجازات العظيمه الا بتضافر الجهود تاع الجميع. ومن هذا الباب نتمنى ان شاء الله الى السيد بوشمال ان تمد له ثاني كل يد المساعده ليتطور اكثر واحسن هذا المعهد لان المعهد هذا له يعني مكانه على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بدون إطالة أحيل الكلمة إلى السيد مدير سابق السيد مزمزة كمال. تفضل مشكور. شكرا السيد مدير الصحة. نرحب بالسيد بوشمال عبد الرحمن مدير المعهد الوطني العالي لتكوين الشبه الطبي لباتنا. نتمنى له كل النجاح نتمنى له نطلب من enfin je demande au collectif des enseignants et du personnel que ce soit administratif ou de soutien à lui porter à lui prêter main forte on a commencé un travail hein j'espère que monsieur Bouchelet va participer pleinement à l'essor de l'Institut. J'en suis convaincu parce que c'est quelqu'un que je connais déjà pendant 14 ou 15 ans. Hein. Je ne doute pas et on ne doute pas de ses compétences. C'est quelqu'un, c'est un bosseur. Hein. Il a été au niveau de l'Institut de Constantine de Sétif d'abord. Il a su relever le défi. Au niveau de Constantine aussi, il y a un institut dans un état, je dirais, lamentable. Il a su relever le défi. L'institut de Constantine commence hein, à sortir la tête. Inch'Allah, les efforts leaders ont fait centaines d'idées en Manab. نطلب منكم باش تمدوا له يد العون والمساعدة. Je demande à cette occasion, je demande pardon à tout le monde. Il se peut que des fois on s'emporte, mais en étant responsable, on est obligé de prendre des décisions. On ne peut pas prendre des décisions à chaque fois. اللي تساعد الناس كامل مي المسؤوليات يحكوا علينا باش نهزوا مسؤوليه نهزوا دي ديسيجون اللي بتاتر كاين ناس اخرين ما يتقبلوهمش اون دوموند باردون تو سكون ا في اون ا في بور لانتيري دابور كوم جو لي توجور دي اون ا في دون لانتيري دو مالاد باسكو اون ايت ان ايتابليسمون كي بارتيسيب بلينمون دون لا بريز ان شارج دو مالاد كو سوا بار لانتيرميديير دو نو زيتيديون ou là par c'est-à-dire le personnel conforme pour les différentes structures. Bon, je ne vais pas laisser passer l'occasion pour remercier pleinement M. le directeur général du CHU, M. Paul Grand, parce que
ما نكذبش عليكم لي بورت دو سي اش ايتون غروندومون اوفيرت جو سيزيري اونكور لوكازيون بور ريميرسيي مسيو مادوي او نيفو دو كاك يعني لي زيتابليسمون تاع لا ولايه دو باتنا كامل يسهلونا المهمه مي بلو بارتيكوليرمون لي زيتابليسمون تاع لو شيف ليو وعلاش باسكو افيك ليفيكتيف كيليا او نيفو دو لانستيتيو ليفيكتيف لي سيت اني il dépasse de très loin les mille étudiants. Blaise, la participation dans les établissements, dans le chef-lieu, la prise en charge des étudiants est très, très difficile. Mais il faut que j'ai l'occasion pour remercier les directeurs des œuvres universitaires. Je pense que sans eux, la rentrée qu'elle te met coach ou la rentrée mais je t'ai rendu hier, ça fait donc quand on a fait 7 ou 8 ans, vous m'allez ramasser en matière d'hébergement, des étudiants, hébergement, restauration et tout. Moi c'est tout ce que j'ai à dire au canibal Sid Moudir. Je crois que c'est de Moudir. L'institut n'est pas dans un état lamentable. C'est un institut exemplaire, mais tu m'as dit que c'est un tour assez généreux qui est le plus fort de l'air. Qu'est-ce que vous dites ? Bonjour, c'est aussi le DSP. C'est le Rahman al-Rahim, salam al-Salam al-Shabbou al-Salim. وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين ثم أمين فبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je tiens à remercier Monsieur le DSP avec son délégation pour son déplacement afin de remercier l'ex-déchet, mon prédécesseur, M. Nozamaza, également mon installation conformément à l'administration au début. D'une. Et de deux, je tiens à remercier M. le DGCHU, M. Bocron, également le directeur général du CAC, M. Madoui, ainsi que notre ancien ami, M. Rojana, ex-directeur CHU, actuellement DG, directeur de l'OHS. Également, je tiens à remercier mes collègues conseillers, mes ex-amis, collègues, et ils seront des combattants avec moi pour soulever le défi en matière pédagogique, notre action pédagogique. Également, je tiens à remercier tout le personnel qui a fondé, qui a exercé autour, avec M. Nozmaza et autour d'un danger pour soulever le défi, surtout pédagogique, afin de former convenablement les paramédicaux pour qu'ils puissent prendre en charge les malades et répondre aux besoins et aux attentes des malades. Mon installation ici, c'était pas choisi. Là, on était dans l'obligation, le ministère de la Santé était dans l'obligation de contourner, de détourner l'argumentation parce qu'il y a un problème financier. Nous n'avons pas des statuts, des organigrammes, des instituts. Et donc, par voie de conséquence, on aura que la possibilité que deux années d'intérim. Et on a bénéficié, suite à l'intervention de M. le Premier ministre, de deux dérogations 2016 et 2017. Donc, il n'y aura pas de dérogation. La seule manière, c'est de détourner cette réglementation, de faire des permutations contre les directeurs. Suite à cette action, à cette stratégie, je suis à Batna et M. Nozmaza, il sera à Constantine. Toute chose est perfectible. M. Nozmaza a continué à travailler selon ses prédécesseurs. Les ex-directeurs ont essayé de faire un travail. M. Nozmaza a continué sur cette pensée, a amélioré. Maintenant, à mon tour, j'essaierai de renforcer les éléments positifs et j'essaierai de solutionner s'il y a des dysfonctionnements. Il n'y a pas de parfait sur Terre. Donc, toute chose est perfectible, les personnes eux-mêmes sont perfectibles. J'essaierai de tracer un projet, une stratégie pédagogique. Ce projet, à travers ce projet, j'essaierai de capter tout le monde. Les enseignants en premier lieu, parce que ce sont les acteurs principaux de la formation. Également, toutes les autres structures, parce que ce sont des structures qui gravitent autour de la pédagogie. On sait pertinemment, sans parler, que les instituts de formation ou les universités, toute action de formation, elle est influencée par quatre facteurs, c'est la situation pédagogique. On parle d'un programme de formation, il existe, mauvais ou bon, il existe, nous sommes en train d'améliorer, d'intervenir sur le programme de formation. Deuxième acteur, c'est les enseignants, la plupart des enseignants en Afrique.
troisième action, c'est les enseigner, c'est des studios, pas à modeler. C'est à nous en tant que gestionnaire, en tant qu'enseignant, de modeler cette pâte pour qu'elle soit une pâte de qualité, pour qu'elle soit compétitive, afin de prendre en charge les malades. Quatrième action, c'est l'environnement, il est adéquat au niveau de la ville de Batna, mais notre action, on essaiera d'intervenir sur l'environnement, mais surtout sur la pédagogie. Je confirme les dires de M. Mesmaza, mon ami, mon frère et mon collègue, c'est que nos partenaires des structures sanitaires, ce sont des partenaires fiables. Et on doit inévitablement, obligatoirement, travailler avec eux pour la simple raison parce que c'est le prolongement logique d'une institution de formation paramédicale. C'est la formation pratique qui se déroule au niveau de ces structures sanitaires d'une et de deux, on forme pour ces structures. S'ils collaborent efficacement avec nous dans la prise en charge des étudiants, ils vont bénéficier d'un produit compétitif. J'essaie Inch'Allah de travailler, je suis très communicatif, très compréhensif, je travaille dans une harmonie bien déterminée, j'ai la rigueur dans le travail, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble pour Inch'Allah, dans une atmosphère saine, sereine et sans honneur. Merci pour votre attention et je passe la parole à M. Lévy. J'espère que je réitère mes remerciements pour son déplacement. Pour vous dire que vous avez fait un travail, vous avez fait un travail avec vous, parce que vous avez fait un travail avec vous, 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 احنا كل ما نتمناو سي جوجمان يعني راهو الطاقم يعني عنده خبره كما يقولوا هذا وكي تعود الاجواء صافيه وتكون يعني نيه العمل يعني كل الامور تسهل يعني حقيقه سي مدير المستشفى الجامعي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. انا جاي ندير شو كو جو بو دير، جو تيان ا رومارسي Monsieur Mesmaza, comme vous savez, le CHU c'est un terrain de stage. Donc, il y a une communication binette, une famille, le terrain de stage. يعني ونشكروا على المجهودات يعني اللي قدمها وهذه كانت عينة بالنسبة لحتى السلطات المحلية اللي كانوا يزوروا لهنا المحل وكانوا يزيدوا ساتيسفي يعني بالحق في الأورغانيزاسيون ولا في الاستركتور عامة. وشو نقولوا صاحبي، نقولوا لك كان هذا هو برومي ديبلاسمون تاعك. أنا جي في دي ديبلاسمون في لاكاريات 10 تقريب واحد 6 ولايات اللي زرتهم. سي تان ديبي ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في قسنطينه. قسنطينه سي فري لاستيكتور دو كونستانتيني اللي ان بو كرون بارابور ا سولي دو باتنا، لي كاباسيتي دو بلاس بيداغوجيك اوسي سي بلو كرون كو باتنا. نتمنى لك التوفيق وان شاء الله في لاكارير تاعك هذه ان شاء الله تكمل. اما بالنسبه للاخ بشمال، نقول لك مرحبا بك في باتنا، راك مع خاوتك البيبان مفتوحين كيما امس كيما اليوم كيما غدوا. دون لو كادر باسكو اون توجور لو ميم اوبجيكتيف. لوبجيكتيف تاعنا سي لا سونتي، سي لا بريز اون شارج، سي داميليوري لا بريز اون شارج دي مالاد. دونك افيك لي فيتور باراميديكو بربي ان شاء الله اون اميليور الاخرين. دونك اون ميم اوبجيكتيف. مرة أخرى نقول لك مرحبا بك في باتنا وراك مع خالتك. يعطيك الصحة ويعطيك الكلمة pour notre aîné monsieur Madoui Issa, le directeur du centre de lutte contre le cancer CSTC. L'administration a voulu qu'il y ait un changement. Si Bouchmel doit le dire parmi vous, j'ai ouvert et prêt à collaborer parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt
de notre wilaya et de nos patients. Si nous il a fait ce qu'il pouvait faire dans cet établissement que je connais, il a connu une évolution très significative à cet établissement. C'est un établissement où mon père a passé une grande partie de sa vie jusqu'en 84. Et puis le relais a été pris par d'autres directeurs. Ils ont fait de cette école, c'est-à-dire le rêve de leur aîné, devenir vraiment l'institut dont rêvaient les professionnels de la santé. Alhamdoulilah, Guillaume, quand on voit les moyennes du baccalauréat au niveau de l'école paramédicale, c'est vraiment ça, ça réchauffe le cœur. Et ça donne à la profession maintenant d'or. Parce que la formation paramédicale, on la faisait sur le tas. Pour amener les gens de partout pour la formation. D'ailleurs, maintenant, peut-être si Bouchman ou a mis dans le lait la bosse, maintenant c'était la deuxième école après celle d'Alger. Il y a des statistiques qu'on peut consulter, c'était la deuxième école après celle d'Alger. La formation réelle touchait pratiquement à l'époque plus de 1500 étudiants, tout corps confondu. Pour ce qui est du personnel enseignant, beaucoup d'entre eux ils sont partis en retraite. On regrette beaucoup, on aurait souhaité que la formation paramédicale, comme pour l'université, ce personnel m'éroche. Parce qu'à un certain moment, on nous a appelés ici à l'école pour nous demander des tuteurs pour les établissements de santé. Où sont les tuteurs? Les tuteurs, on commence d'abord par garder nos enseignants. Avec leur capital d'expérience, et ils auraient pu encore monter, comme vous l'avez bien dit, être des jeunes générations qui vont venir à une profession, à un métier très demandé, un métier très demandé dans le monde entier. Il faut qu'ils comprennent des jeunes internautes, ils ont entre les mains un métier demandé et un métier avec lequel on travaille dans le monde. Pour ma part, c'est tout ce que j'ai à dire. Ousmane est à 100 km à côté de nous, s'il a besoin de quoi que ce soit, c'est là, on est là. Ainsi, Bouchman, soyez bienvenus parmi nous. On s'est déjà vu, on s'est rencontrés. Votre nom, il est là maintenant. Vous n'aurez pas le dépistement, malgré que... Les Bouchemins, ils sont de Batna, ils resteront de Batna. La marque de la vie encore une fois et bon courage. Bon, allez, il y a un mec qui... C'est moi, Jean. C'est pas quelque chose. كانوا مستخدمي منتوج تكوين شبهتي مستعملين وعندنا التواصل اليومي يكاد التواصل بيناتنا السيد المدير الاخ مزمزه كمان بقدر ما انا يعني راح تاثروا بالمغادره في المعهد بقدر ما رانا كما قلت العزاب تاعك في الأستاذ بوشمان اللي راح يخلفوا دونك إن شاء الله نأمل في أننا نواصل ونحافظ على نفس وتيرة من الاتصال بما يخدم من جهة مشروع تكويني بيداغوجي للمعهد أهداف بيداغوجي للمعهد وأيضا أهداف مؤسسة عمومية للصحة الوصول إليها وهو رفع مستوى التكوين خاصة وأنه فيه دفعة إظهارية على باب تخرج من القبيلات لتعداد 120 على ما أظن 120 قبيلة نعم يكون فيها كما قلت
تكون تغطية للحاجة تجد مؤسسة الأعمال الساعرة في الولاية من هذه الفئة مطلوبة جدا واللي راح تكون بطبيعة الحال كم ونوع من يعني لأنه فيه إدارات مكونة على مستوى هذه المعهد مشهود لها بالكفاءة مشهود لها ببذل أقصى المجهود في التكوين وأيضا الأخوات القابلات هنا هما عندهم إرادة وعزيمة في بلوغ درجة تحصيل أرقى المستوى. إذن نوجه شكرنا للأخ زمازا التسهيلات كامل اللي استفدنا منها من خلال تواجده على رأس هذه المؤسسة اللي هو بعد تكوين شبه طبي عالي لباتنا ونأمل أيضا التوفيق من التوفيق للأخ بوشمات في مهامه على رأس هذه المؤسسة اللي راح نحكوا على المستوى أيضا إن شاء الله نخلقوا pour renforcer les passerelles de communication, de partenariat et de et surtout de, pour avoir une harmonie et une harmonie en matière de santé publique ou à l'échelle de l'OIL. Et merci. Et je tiens aussi à remercier M. Zimaza, bien sûr, qui m'a condamné durant les deux années à la direction des études. J'ai beaucoup appris en ce qui concerne l'administration. C'était un directeur, bien sûr, tout ce qu'on demandait sur tout le côté pédagogique, il ne refusait jamais. Au contraire, il me poussait à aller de l'avant et à faire tout ce qui est dans l'intérêt des étudiants. Bien sûr, j'espère que notre nouveau directeur, M. Bouchmal, bien sûr, passera avec nous dans le temps, bien sûr, quand il lui faut maintenant. Et j'espère qu'il sera, bien sûr, vraiment content de notre travail. Et aussi, moi, de mon côté, bien sûr, je tiens et j'aimerais bien encore apprendre de lui parce qu'il a tant donné, on entend à chaque fois parler de lui, des initiatives à Constantine, qu'est-ce qu'il, les efforts qu'il fournit pour bien sûr que ça ait lieu au niveau surtout du côté pédagogique. Et c'est ça notre souhait avec mon équipe enseignante qui attend beaucoup de notre nouveau directeur. Et merci. Je remercie vivement le directeur, votre directeur qui est parlant, M. Zimaza, de ses efforts inoubliables qu'il a remis à notre établissement. Alors, et on vous souhaite la bienvenue, M. Bouchmel, en espérant qu'il trouvera une équipe pédagogique qui va de lui donner, on en fait une main opérante pendant toute sa, son existence à notre établissement. Et merci. نقدم شكري للسيد زمازه على المجهودات اللي قدمها وخاصة المعاملة في خلال سنتين هذه كنا في جو أخوي d'un climat professionnel, un climat de travail qui est والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئا ببدء أود أن أشكر مديرية الصحة والمستشفى الأستاذ زمازة على الدعوة الكريمة هذه. إذا أود أن أوضح فقط أننا ثلاث مديريات خدمات ليست مديرية واحدة، مديرية خدمات باتن وقال باتن وصب وباتن في الجيس. كل هؤلاء المدراء يساهمون بجهد كبير
مع الأستاذ مزمضة في دماغ نقول في التنمية، لأنه هذا التكوين الشبه الطبي يدخل في تنمية الولاية. الأستاذ مزمضة كان دائما وأبدا حريص صراحة، يتعبنا يعني سيد مدير الصحة يتعبنا، راه يبدا لنا من كون مجموع مجموع وبعدين هزوني سكنوني ديرو فهمتني، ويبدا لنا بشويه هزوني 20 10 30 حنا ما نقولوش لا واحد 200 250. يعني كان صراحه يحرص كل الحرص على انه يتبع الطالبات والطلبه في الايواء تاعهم علاقات جيده مع الكل. نتمنى له التوفيق ان شاء الله في تعيينه في تصديقها. حقيقه خساره للولايه، ولكن نتمنى ايضا للوافد الجديد الاستاذ بوشمان انه يتوفق لنا ثاني ويقدم اضافه اكثر في الولايه. صبينا كسبت يعني اطار ان شاء الله، وانا ان شاء الله نقول بوشمان ان شاء الله نكسبنا اطار لنا نفس العلاقات، ابواب مفتوحه. اهلا وسهلا بكم. وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي دائما في تعاون، يعني مش عن طريق اتفاقيات ولا عن طريق كل صداقه اخوه اتفاقيات، احنا رانا اهلا وسهلا بكم وربي يوفق الجميع. شكرا. السيد بوشمال هنا معنا، نتمنى له يد المساعده كما يقولوا لتطوير وقبل ما نرجعوا الجلسة نطلب من الوزراء يعني الاثنين يعني يديروا لاباسيسيون كونسيني تاعهم باش إلى وزارة الصحة. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I'm going to go to the next one.